sur des matchs qui vont, parce que ça démarche toujours comme ça, qui vont par exemple dire, enfin un papa qui va dire à son fils, ouais, il est passé deux fois par l'adversaire, il va lui dire, ouais, découpe-le. Voilà. Donc déjà, on parle à des gamins de 9-10 ans. C'est fou parce que découpe-le. Je le dis les lundis soirs. Donc, découpe-le. Mais si le papa de ce joueur-là, il est en face, qu'est-ce qu'il est obligé de réagir. Ou à côté ou... Voilà. Et bien, des fois, ça finit en bagarre. Voilà, pendant le match, il y a des parents qui se battent. Mais pas juste verbalement, ils se battent au point. Voilà, agression physique. C'est ouf. Et ça arrive régulièrement. C'est-à-dire qu'on est... Nous, on n'en entend même plus parler. Mais vous allez le samedi, entre le matin, les petits, et le début d'après-midi, les U10, U11, U12, mais vous n'avez pas besoin de faire 10 stades. Hein. Vous allez voir. L'arbitre, les parents entre eux, et des fois, des parents d'un même club, parce qu'il y a un enfant qui n'a pas fait la passe, et l'autre, il lui... Parce que les parents, ils donnent aussi des conseils. Donc ça aussi, c'est quelque chose à gérer. C'est-à-dire que moi, je me bats avec les parents pour leur dire... Il y a beaucoup de coachs sur le bord du terrain. Ou pas dans France. Je leur dis, nous, on cherche tout le temps des éducateurs. Donc si vraiment vous sentez l'âme d'un éducateur, il faut venir. Mais quand vous êtes parent, vous n'avez pas à dire, ouais, redescends, viens là, regarde à droite, donne-lui le ballon. Mais à quel moment tu... Enfin, c'est pas possible. Et l'exemple que je prends toujours, parce que nous, on a... le foot, c'est le summum. Est-ce que vous entendez ça quand vous allez au hand, au volley, au judo? Est-ce que vous voyez des parents dire à leur gamin... Après, au judo, tombe le, oui. C'est... Non, mais oui, mais tu vois ce que je veux dire, les prises. Il n'y a personne qui prend l'initiative de donner des conseils comme ça, tactiques, dans d'autres sports. Mais le foot, bah, tout le monde pense connaître le foot. Donc, on peut se permettre de donner des conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et franchement, c'est vrai que c'est insupportable. Et la dernière chose là-dessus, qui est importante, c'est que eux, ils pensent faire du bien à leurs enfants. Mais en fait, quand vous parlez avec les enfants, quand ils ne sont pas avec leurs parents, quand vous êtes sur le terrain tout seul avec eux et tout, mais ils ont honte.